Bonjour tout le monde, merci d'être des nôtres. Nous sommes sur le point de conclure un séjour productif et émouvant en France. Nous avons commencé le voyage à Vimy, où nous avons marqué le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. J'ai eu la chance de m'entretenir avec des anciens combattants canadiens qui ont risqué leur vie pour notre pays. Ils méritent notre plus grande reconnaissance et c'était pour moi un honneur de les remercier pour l'ampleur de leurs sacrifices. Nos Canadiens en uniforme, d'hier et d'aujourd'hui, connaissent mieux que quiconque les réalités de la guerre et ses conséquences dévastatrices. Ils ont défendu avec bravoure les valeurs qui nous sont chères, la démocratie, le respect des droits et la poursuite de la paix, ces valeurs qui sont au cœur des interventions canadiennes à travers le monde. Le jour du souvenir est l'occasion pour tous les Canadiens de faire cet important devoir de mémoire et de réaffirmer notre engagement à l'égard des valeurs pour lesquelles tant de Canadiens ont risqué leur vie. Un engagement qui s'exprime notamment par l'élaboration des solutions concrètes visant à éliminer les obstacles à la paix. Ce centenaire de l'armistice nous rappelle la place centrale que doit occuper la collaboration dans cette démarche. C'est ici, dans ce contexte, que j'ai pris part au Forum de la paix à Paris. Cette initiative, lancée par le président de la République, repose justement sur une volonté commune de travailler avec nos partenaires pour relever les défis communs. J'ai également pris part à une discussion organisée par Reporters sans frontières. La liberté de la presse est fondamentale à la démocratie. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Cela dit, nombreux sont les journalistes qui voient leur droit à la liberté d'expression brimé ou menacé. Je pense par exemple aux journalistes emprisonnés au Myanmar ou au meurtre du Saoudien Jamal Khashoggi. C'est inacceptable. Les gouvernements du monde doivent dénoncer les attaques visant à miner la liberté de la presse. C'est pourquoi le Canada appuie formellement la Déclaration internationale sur l'information et la démocratie et s'engage à travailler avec Reporters sans frontières et ses partenaires pour préserver et pour promouvoir la liberté de la presse et de l'information. Finalement, plus tôt aujourd'hui, j'ai pris part au sommet des GovTech, où nous avons discuté de l'impact des avancées technologiques sur la gouvernance. Nous avons aussi appuyé l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, qui fait appel aux États, au secteur privé et à la société civile pour travailler ensemble pour promouvoir la sécurité dans le cyberespace. Later today, we will be flying to Singapore for a meeting of the members of the ASEAN community, namely countries in Southeast Asia with some of the fastest growing economies and populations in the world. Canada serves as a dialogue partner of this organization. This will be an opportunity for us to strengthen trade, economic growth, and investment on both sides of the Pacific. I will also meet with Lee Hsien Loong, the Prime Minister of Singapore, to deepen Canada's relationship with Singapore, a major economic gateway in the region, and Premier Li of China as part of the third annual Leaders' Dialogue between Canada and China. Ensuite, nous ferons un arrêt en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour la réunion annuelle de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Ce sera le moment de poursuivre nos discussions sur le commerce international, notamment dans le contexte du nouveau partenariat transpacifique conclu et ratifié plus tôt cette année. Cette entente historique marque le début d'une nouvelle ère de coopération avec nos partenaires des pays du Pacifique. Une ère qui se traduira par de meilleures opportunités pour les entreprises canadiennes, de bons emplois pour la classe moyenne du Canada et un volume sans précédent d'échanges commerciaux.